nous avions tous notre travail. Soit on prenait sur le mois de congé, soit voilà, soit on partait en congé sans solde. Donc, mais c'est pas grave parce que à l'époque, je crois que s'il avait fallu payer, eh ben on aurait cotisé pour partir quoi. On avait une indemnité, je crois, c'est l'anecdote, on avait une indemnité à l'époque de 150 francs. Allez, c'était 20-25 euros. Et on avait pour le double de téléphone lorsqu'on voulait donner quelques nouvelles de là-bas. Quoi. 33 amis à des milliers de kilomètres comme ça. C'est une époque où le rugby n'était pas professionnel, donc on s'entraînait peut-être allez, 2 heures maximum dans la journée. Le reste du temps, c'était du temps de libre. Alors on en profitait pour visiter, pour se balader, pour jouer aux cartes, pour passer du bon temps ensemble, tout simplement. Here comes the sun.